Bonjour. Dans le cadre des 24 heures de l'innovation, nous avons choisi de traiter comment automatiser le système de récupération des déchets. Notre étude de besoin nous indique que le produit servira aux citoyens, agira sur les poubelles, servira à les collecter de façon autonome et servira dans les villes. Après une analyse fonctionnelle, nous nous sommes axés sur le développement d'un camion autonome. Les aménagements liés à cette solution sont peu nombreux et moins coûteux à la réalisation. L'utilisateur sort sa poubelle à l'emplacement situé devant chez lui, puis le signale via une application mobile. Un itinéraire optimisé est alors calculé pour un camion qui se déplace grâce à un GPS et de multiples capteurs. Arrivé devant la poubelle, détecté par la caméra, le bras la saisit, scanne la puce RFID et la pèse. Les mouvements du bras sont réalisés grâce à un moteur et des vérins hydrauliques. La tête du bras est équipée de crochets qui saisissent et verrouillent la poubelle. Les déchets sont alors transvasés dans les compacteurs en fonction du contenu grâce à un guide mobile. Lorsqu'un des conteneurs est plein, le camion rentre au centre de tri. De là, les vérins poussent les ordures par les trappes latérales. Dans un esprit d'éco-conception, on utilisera de préférence des matériaux biosourcés. De plus, le véhicule, équipé de batteries lithium, est propulsé par des moteurs électriques situés dans les roues. Ces mêmes moteurs peuvent récupérer l'énergie au freinage et aux suspensions. Le véhicule est en communication permanente avec le centre de tri pour connaître sa progression ou être dépanné à distance. L'application mobile permet à l'utilisateur de demander l'enlèvement de sa poubelle, de voir ses factures et ses statistiques et d'être informé quand sa poubelle a été vidée.